Hey, salut les abonnés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le déballage du calendrier de l'Avent de chez Cash Village. Aujourd'hui nous sommes le 12 décembre et c'est parti pour la petite ou la grosse enveloppe, d'ailleurs je ne sais pas encore. Alors, eh bien c'est une grosse enveloppe aujourd'hui, une grosse enveloppe. Alors, c'est parti. Ce qui est bien c'est qu'on change tous les jours à peu près de taille et ça c'est plutôt cool. Déjà qu'il n'y a pas un cadeau qui se ressemble, ça à chaque fois c'est du mystère. Alors, j'essaie de déballer ça proprement, mais ça ne marche pas. Alors, c'est parti. Il y a du monde. Je sors la pièce de puzzle. Hop, alors, une pièce de puzzle. Voilà. Alors là, je crois que ça va... Ah non, j'ai cru. Ah, à voir. Je vous en reparlerai encore un peu plus tard. Ouais, j'en parlerai un peu plus tard. C'est vrai que je suis vraiment pas bon en Pulse. Il me faut un peu plus de temps. Et ensuite, nous avons une cache. Alors ouais, c'est... Ah. Alors c'est une boîte en alu. Une petite boîte en alu, donc qui risque pas de rouiller. Vous voyez. Et à l'intérieur, regardez donc, il y a un aimant. Donc, j'ai pas de choses aimantables. Je reviens. A few moments later. Donc ouais, c'est un peu improvisé, donc je prends une spatule de cuisine, mais regardez donc. Voilà. Une cache, donc une petite SXS. On peut mettre un petit logbook, un petit livret, là, comme ils vendent chez Cash Village, etc. Ou un logbook Rolls. On peut mettre dedans facilement un Geocoin ou un petit TB. Vous savez, les mini Geocoin, etc. Voilà, il y a quand même un peu de place, on peut mettre un petit swag. On peut la décorer, la peindre, etc. Et paf, regardez donc. Ça, c'est super. Waouh, ça, c'est un chouette petit cadeau, là, dis donc. Donc, aujourd'hui, la nano cache aimantée et la pièce de Pulse. Voilà. Et je vous dis à demain, toujours 16h. Géo-amitié à tous. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, il ne vous reste que 3 jours seulement pour participer à notre grand jeu concours de Noël. J'attends vos participations. À très vite.